Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je suis encore désolée de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. Je pense que vous savez maintenant que j'étais en période d'examen blanc. Donc j'ai passé tout simplement mon bac blanc et donc toute la semaine j'étais pris par les révisions et c'était genre juste horrible, mais c'est enfin fini. Enfin, donc là je peux profiter et j'en tourne du coup deux vidéos. Je vous posterai deux vidéos cette semaine. Donc voilà, donc j'espère que si vous aussi vous étiez en période d'examen, j'espère que ça s'est bien passé et je vous souhaite bonne chance pour les résultats. Donc aujourd'hui je vous retrouve en fait pour un book haul parce que j'en ai pas fait pour le mois de décembre et du coup je me suis dit que ça serait bien de combiner celui du mois de décembre et celui du mois de janvier. Donc début décembre j'ai acheté deux livres tout simplement parce qu'il me restait encore un chèque cadeau et du coup j'en ai profité, je me dis pourquoi pas acheter deux livres. Du coup j'ai acheté Cresse de Marissa Meyer, donc le tome 3 des Chroniques Lunaires. Je l'ai déjà terminé, je pense que si vous suivez mes vidéos, je pense que vous aurez capté que c'était genre mon coup de cœur de cette année. La trilogie entière est vraiment cool. En fait mon CDI n'avait pas encore le troisième tome, ils l'ont reçu juste après les vacances. Mais moi il me fallait pendant les périodes de Noël, donc je l'ai déjà terminé. Je l'ai lu en lecture commune avec Anaïs de la chaîne Fangirl Reader que j'embrasse. Je passe par là, je te fais des gros bisous. Cette fille est juste super adorable. Voilà, du coup on l'a fait en lecture commune et j'ai encore du coup plus apprécié ma lecture. Et voilà, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez. Je pense que vous la connaissez déjà, mais bref, si vous ne connaissez pas les Chroniques Lunaires, en gros c'est des remixes de contes. En gros, un futur où en fait les humains sont moitié un peu cyborgs et il y a des gens qui habitent sur la Lune. Et en fait, donc la Lune et la Terre se font un peu la guerre. Et donc nous, on va retrouver en fait donc Cendrillon qui s'appelle Cinder, qui est en fait moitié robot, moitié humain. Et c'est juste super cool. Donc là, Cresse, en fait, c'est le tome avec réponse. Il est super gros, il fait 600 pages, mais je l'ai lu très très vite. Et je l'ai beaucoup, beaucoup. Si vous n'avez pas encore foncé pour les Chroniques Lunaires, c'est top. Donc toujours début décembre, en fait, j'ai acheté Les Étoiles de Noce Aide, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était un coup de cœur 2014 aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce livre, en fait, tout le monde en a parlé sur les chaînes françaises. Tout le monde en disait que du bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fonce. Donc je l'ai acheté. Donc là, il est là, c'est les éditions J'ai lu qui l'ont réédité. Il coûte pas très cher, je crois, 7€, donc ça passe. C'est un livre super cool, je l'ai déjà terminé, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. J'en ai parlé dans mon dernier update lecture. Voilà, c'était un coup de cœur, et si vous n'avez toujours pas lu ce livre, et ben foncez parce qu'il est vraiment top. Il y a 5 tomes en tout, il me semble, et le tome 2 sortira très bientôt, je crois, en avril ou en mars. Donc j'ai très hâte. Donc voilà. Donc ensuite on continue avec les livres que j'ai reçus à Noël. Donc en fait ma famille en général voulait m'offrir des livres. Le truc c'est que, ça m'aurait fait super plaisir. Le truc c'est qu'en fait ils voulaient pas m'offrir des livres que j'avais déjà ou qu'ils m'auraient pas plu. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné de l'argent du coup. Mais cet argent là je le garde pour en fait un peu m'acheter des trucs pour ma future chambre. Enfin, je suis déjà dans ma chambre, mais voilà, je compte acheter une télé, investir aussi dans un trépied et tout, donc du coup, je garde un peu l'argent. Mais mes parents m'ont quand même offert 3 livres, et je pense que voilà, avec l'argent qui me restera après, je vais sûrement encore craquer pour des livres. Donc voilà, du coup, j'ai acheté en premier temps, enfin mes parents m'ont offert du coup, le Hobbit, Bilbo le Hobbit, donc de J.R.R. Tolkien, je l'ai déjà lu, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, mais en fait, le livre appartenait à mon CDI, donc forcément, j'ai dû le rendre, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Du coup, je voulais absolument dans ma bibliothèque et si vous n'avez pas vu le film, le livre est très bien, il est très différent, mais il est vraiment, vraiment bien. Je pensais vraiment pas aimer, donc c'est un peu genre... pour moi, c'était vraiment comme un petit conte en fait pour les enfants et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc franchement, lisez-le et regardez le film ou faites l'inverse. Donc franchement, il est vraiment bien et j'ai hâte de voir le troisième film parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà. Donc toujours de mes parents, j'ai reçu Qui est Mara d'ailleurs de Michel Hodgkin, pardon. Ce livre pareil m'a été conseillé par Anaïs de la chaîne Fangirl Reader, que pareil je rembrasse du coup. Elle m'a dit quoi, tu l'as pas encore lu, genre en mode hein, what the fuck. Donc du coup je l'ai acheté sachant que tous les américains en ont parlé quand le tome 3 est sorti, donc ça c'est le tome 1. J'ai les terminé, mais je vous en parle très prochainement dans la prochaine vidéo du coup. Donc je l'ai beaucoup, enfin je l'ai terminé et je l'ai beaucoup aimé. Mais je vous en parle pas plus parce que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui va arriver. Mais franchement top et encore merci Anaïs de me l'avoir fait lire absolument.
et je partage ton sentiment pour la fin. Donc le dernier livre que mes parents m'ont offert, donc c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Ring aux éditions Bayard Jeunesse. Ce livre là, pareil, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé, mais pareil, je vous en parle dans la prochaine vidéo, update lecture qui va arriver, donc c'est la prochaine vidéo. Et je l'ai beaucoup aimé, donc en fait tout le monde en a parlé à un moment, c'était vraiment la folie. Le tome 2 est sorti aussi, il s'appelle Hollow City il me semble. En fait la particularité de ce livre c'est qu'il a des photos très bizarres, genre en noir et blanc. J'essaierai de vous faire genre des close-up ou vous mettre les images si je les trouve sur internet. Mais en fait à chaque fois je le voyais ce livre, personne vraiment ne parlait de ce livre en... Vraiment en racontant la vraie histoire, en fait, tout le monde disait que c'était un livre super bizarre avec un thème vraiment chelou. Tout le monde disait que c'était genre ça faisait peur, etc. Et du coup, moi, je m'attendais genre vraiment à un truc qui faisait flipper. Mais franchement, c'est une très belle histoire. Et mais bon, je vous en parle dans la prochaine vidéo qui va arriver. Donc ensuite, début janvier, j'ai été dans la ville près de chez moi et en fait il y a un magasin qui s'appelle Easy Cash, je pense que tout le monde connaît, c'est un truc d'occasion et il y avait donc forcément des livres et je me suis dit pourquoi pas acheter des livres d'occasion sachant que j'en achète déjà en brocante des fois et ça vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez pas forcément mettre énormément d'argent dans des livres, moi franchement là les livres d'occasion j'en ai acheté 4 pour moins de 20€ avec un DVD en plus, donc c'est même pas le prix de neuf en fait, sachant que souvent les livres neufs commencent à 10, 15, enfin vers 15€. Donc voilà, franchement ça vaut vraiment le coup. Donc si vous sachez vraiment pas, enfin si vous voulez pas vous ruiner pour acheter des livres, allez en magasin d'occasion ou rendez-vous dans des brocantes. Moi franchement ça me dérange pas d'avoir genre des livres un peu cornés ou un petit peu abîmés ou que le dos soit cassé, ça me dérange absolument pas. Surtout pour le prix, je les ai payés, ça me dérange vraiment pas. Voilà, et en plus ça vous permet de faire découvrir des livres que vous n'avez pas forcément, enfin que vous connaissez mais que vous n'avez pas forcément planifié de les lire. Et du coup je suis encore plus contente de les avoir dans ma bibliothèque. Donc c'est parti. Donc c'est le premier livre que j'ai acheté donc là-bas. C'est un livre que j'ai lu sur la chaîne de Elsa Makeup, donc qui est une chaîne de vlog où elle parle de livres. Et elle l'avait mentionné dans une de ses premières vidéos, il me semble. Elle avait parlé que c'était vraiment un très beau livre, etc. Du coup, j'ai voulu l'acheter. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, vaut mieux l'acheter. Donc, du coup, j'ai... donc, ce livre, c'est L'Enfant du Titanic de Léa Fleming. Donc, celui-là, c'est la version de... Elle est éditée donc, chez France Loisirs. Je l'ai payé, il me semble, 2,80€. Je crois, donc c'est vraiment pas cher. Bon, il est un petit peu abîmé sur, enfin les feuilles là sont un petit peu abîmées et le dos est cassé. Enfin, ouais, le dos est cassé, mais bon, franchement, ça me dérange absolument pas. La couverture est vraiment super belle. Donc l'histoire, c'est deux femmes qui ont survécu au Titanic. L'une est anglaise et l'autre américaine, il me semble. Et donc après, enfin, elles vont réussir à survivre au naufrage du Titanic. Et après, en fait, elles vont encore communiquer à travers des lettres en fait, communiquer donc par lettres malgré les guerres, etc. Elles vont toujours communiquer et voilà, donc ça va être un peu suivre leur vie à travers ces lettres. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu, à part Elsa, enfin qui en a parlé dans sa vidéo, mais j'en ai jamais entendu parler plus que ça, donc voilà. Donc les livres suivants en fait, c'est des livres que j'ai achetés suite toujours, enfin au même magasin. Vu que j'ai beaucoup aimé les Histoires de Noce Ed et que tout le monde le compare à ces livres, je me suis dit, peut-être teste-les. Donc ces films ont déjà été, enfin ces livres ont été adaptés en film. Moi personnellement les films, je les ai vus mais je les ai vraiment pas trop aimés, à part le dernier et le troisième. Mais sinon à part ça, enfin c'était pas trop mon genre avant. Mais je me suis dit, puisque t'as aimé les Histoires de Noce Ed et tout le monde en dit... tout le monde dit que c'est à peu près la même chose. Moi je trouve pas, mais bon, on verra bien, je les lirai très prochainement, on verra. Donc en fait c'est, donc ces livres en fait c'est Twilight donc de Stéphanie Meyer. Donc ça c'est le tome 1 Fascination, le tome 2 Tentation. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Oui, je les ai pas encore lus, oui c'est pas mon genre d'histoire, mais voilà, celui-là je l'ai payé 3€ et celui-là 4€. Franchement, c'est donné. Celui-là est en
vraiment vraiment bonne qualité. On a l'impression genre, enfin il brille et tout, il est vraiment pas lumineux mais vraiment pas. On a l'impression genre qu'on vient juste d'enlever le plastique au-dessus. Et celui-là bon il est un petit peu abîmé là et il a quelques rayures, mais sinon franchement pour 3€ j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc maintenant je sais que si je veux les restants, enfin les deux autres, j'irai du coup à ce magasin pour les payer moins cher. Je pense que ouais, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est ces histoires, hein. Twilight tout le monde connaît. Donc voilà, je vais les tester et on verra si j'aime. Du coup, bah, si j'aime le tome 1, je continuerai du coup directement avec le tome 2, vu que je l'ai dans ma palle. Donc voilà, du coup, pour 5€, 2 tomes de Twilight, ça me dérange absolument pas de mettre 5€ là-dedans. Donc voilà. Et donc, le dernier livre que j'ai acheté là-bas, c'est un livre en fait que je n'ai pas vraiment planifié de lire. J'en avais entendu sur les chaînes beaucoup américaines en fait, toujours, enfin en VO. Benjamin of Tom, je sais qu'il y a Books with Dylan qui en avait parlé une fois, il a même fait une revue, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve. Et je l'ai vu en fait, je savais pas qu'il était sorti en France. En fait c'est une duologie, donc là c'est le tome 1, donc c'est Eon de Alison Goodman, donc en français c'est Eon et le deuxième dragon. Je l'ai payé 7€, sachant qu'à la base il vaut 19€. Voilà, il est vraiment encore en bon état, la couverture est genre brillante, c'est genre trop cool. Bon, il est un petit peu abîmé là, les pages sont un petit peu jaunies, mais pour 7€, non quoi. Donc en fait, l'histoire, c'est l'histoire en fait de Eon, qui est en fait une fille, donc c'est, apparemment c'est pendant la période en fait un peu antique de la Chine, où en fait, dans ce monde-là, en fait, Donc en fait dans ce monde là on a 12 dragons en fait, donc c'est par rapport aux années chinoises, vous voyez, par rapport au nouvel an chinois, à chaque fois on dit l'année du rat, l'année du enfin du singe, on s'en sait rien. Et en fait du coup une année correspond à un dragon dans ce livre, et à chaque fois un dragon a un chevalier, et du coup tous les 12 ans le dragon en fait doit choisir son guerrier en gros. Et du coup on essaye de on entraîne en fait tout simplement les garçons qui sont réceptifs au dragon, et en fait les filles ne peuvent pas y accéder à ce genre de couramment de guerriers de dragon. Et en fait donc Iona, elle a une particularité, c'est qu'elle capte en fait les 12 dragons, elle a un peu des pouvoirs un peu bizarres, et malheureusement c'est une fille, donc en fait elle va un peu changer d'identité depuis que voilà, elle est toute petite, elle a été un peu éduquée, enfin comme un garçon, elle doit se faire passer H24 pour un garçon, elle va s'entraîner et en espérant voilà réussir l'épreuve pour être en fait le guerrier du deuxième dragon, il me semble. Donc j'ai commencé le chapitre, enfin pour l'instant je suis au chapitre 1, et c'est vraiment bien, tout le monde, enfin tous ceux qui l'ont lu, que j'ai regardé sur les, enfin les revues sur internet, ont mis 5/5, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Là j'ai juste mis un chapitre, enfin j'ai juste lu un chapitre vite fait, donc je sais pas encore, mais ça sera, enfin c'est ma prochaine lecture du coup. Donc là j'ai plus de vrais bouquins on va dire, mais j'en ai acheté en fait 3 bouquins, trois e-books, parce que je voulais mettre à la lecture en VO, et je me suis dit pourquoi pas les acheter en e-books, sachant que du coup les livres VO en e-books c'est moins cher. Je vais me dire pourquoi tu les as pas achetés genre en vrai quoi. Je sais pas, tout simplement parce que je pense les lire sur mon téléphone. Comme ça, c'est plus pratique, je les ai en permanence avec moi. Enfin là, je les ai pas encore mis dans mon téléphone, pourtant ça fait un mois que je les ai. Donc, et vu que ça aide un petit peu à améliorer encore plus mon anglais, donc c'est très bien. Donc ces livres que j'ai achetés, donc tout d'abord j'ai acheté Girl Online de Zoé Seug, donc la youtubeuse qui a sorti un livre au mois de novembre. Je le voulais absolument parce que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malgré la polémique qui est derrière ce livre, je m'en tape, je veux lire son livre. Donc apparemment en fait c'est un contemporain d'une blogueuse, en fait l'histoire c'est une blogueuse anglaise qui va, enfin qui a un blog qui est très très connu, mais elle est anonyme en fait, on voit jamais son visage, etc. Et en fait un jour il va y avoir une genre de rumeur sur elle il me semble, et elle va en fait tout simplement profiter que ses parents partent à New York, donc elle va partir avec eux, et elle va rencontrer un garçon qui est très célèbre, qui joue dans un groupe de rock, etc. Donc j'ai vraiment hâte de lire, j'ai pas encore commencé, j'ai lu genre une ou deux pages il me semble, mais je pense que peut-être je vous ferai du coup un date spécial sur les livres en VO que j'ai acheté, donc voilà.
Le livre suivant, toujours en VO, j'ai acheté Winger de L.G. Smith. Ce livre-là, pareil, tous les Américains en ont parlé, tous les Américains et même tous les Français, je pense, enfin, majorité des booktubeurs français en ont déjà entendu parler. Donc, pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, à part que vraiment c'est un garçon qui est dans une école privée, très très stricte en fait, où il va être en gros mis dans un dortoir pour les garçons qui foutent un peu le bordel en gros, je crois. Donc j'ai vraiment envie de le lire, la couverture est cool, donc je vous mettrai à chaque fois les couvertures, etc. Et voilà, du coup je crois qu'il m'a pas il m'a pas coûté extrêmement cher en e-book, donc sûrement je le lirai très prochainement. Et le dernier livre que j'ai acheté, toujours en VO, c'est un livre que Benjamin Houghton nous a conseillé. Donc c'était dans sa vidéo les 14, enfin c'est son top 14 de 2014. Donc c'est Fire and Flood, je sais plus l'auteur de ce livre, enfin a dit de ce livre que c'était en fait le mélange parfait entre Hunger Games et Pokémon. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais donc ce livre en fait je crois que c'est l'histoire de Abby qui vit un peu dans un monde un peu plus futuriste que le nôtre. Je pense c'est un peu logique. Et en fait donc chaque année il y a une genre de compétition où on pouvait tenter de remporter un genre d'antidote en fait, un antidote universel qui marche pour toutes les maladies me semble. Et en fait son petit frère a le cancer mais vraiment vraiment en phase terminale, et du coup elle veut tout tenter pour sauver son petit frère, mais elle va participer à cette compétition, mais apparemment ils sont mis genre dans une arène et ils doivent réussir à contrôler genre des animaux un peu spéciaux et tout. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que ça sera le premier livre que je lirai en VO parce que j'ai vraiment envie de le lire. Je ne sais pas s'il est planifié de sortir en France, aucune idée, j'en ai pas entendu parler, et donc voilà, du coup j'ai vraiment hâte de lire. Et les derniers livres en fait, enfin c'est pas des livres, je les ai pas achetés, c'est mon cousin en fait qui m'a parlé, c'est des livres en e-books que mon cousin en fait m'a passé. Donc il est fan de manga, de BD et tout, et il était venu à la maison, on avait parlé de The Walking Dead et il m'avait dit que c'était très différent des BD, et du coup je lui ai demandé pourquoi, et en fait il m'a dit qu'il les avait lus, et lui il a un iPad en fait, donc c'est beaucoup plus facile de les lire sur un iPad, et ça tombe bien parce qu'il l'avait avec lui. Donc lui il avait en fait tout simplement les 21 premiers tomes, enfin je crois que le 22e est sorti là il y a même pas une semaine, sur sa tablette, donc en fait c'est des BD mais en version e-books, du coup il me les a passés. Donc du coup voilà, j'ai de quoi faire là, j'ai déjà lu le premier et presque terminé le deuxième. Ça va super vite mais c'est très très différent, enfin c'est différent mais en même temps assez ressemblant quand même, mais certains personnages sont pas du tout dans la série, d'autres qui sont dans la série qui arrivent par exemple genre dans la saison 3 arrivent directement dans le tome 1 dans la BD, enfin c'est pas du tout pareil, mais en tout cas c'est très bien et je vous conseille les BD. Donc c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. C'était quand même un assez book haul très conséquent. Je pense que c'est l'un des plus gros que j'ai fait pour l'instant sur ma chaîne. Mais voilà, ça a été sur 2 mois, donc j'étais assez raisonnable, sachant que certains je les ai achetés en physique, en occasion et tout. Donc c'est assez raisonnable, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolée du manque de vidéos la semaine dernière. Et voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié ma vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles. Je vous mettrai mon pseudo ici et tous les liens en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas, c'est cool quand on échange ensemble. La dernière fois, j'ai encore parlé avec une fille qui regarde, enfin c'est peut-être toi qui regarde cette vidéo, qui regarde mes vidéos, et du coup on a discuté ensemble sur Snap et c'était genre trop cool. Donc franchement n'hésitez vraiment pas à venir me parler sur Twitter, Snapchat ou quoi, n'importe quoi. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et à commenter surtout, et je vous retrouve très prochainement dans une vidéo. Ciao. She's a part-time model, giving me the cold shoulder. Too hot to holler, how'd you get so close, baby? Baby, too much to follow, no base off your flow, yeah.